Nilin, est-ce que ça va? Non, je veux sortir d'ici. Fais-moi sortir d'ici. Calme-toi. Je m'appelle Edge. Fais-moi confiance, Frangine. Je l'ai fait, Frangin. Et me voilà enfermé dans un cercueil. Je dois te préparer à ce qui t'attend à l'extérieur. L'ennemi, c'est Memorize, une société qui fait le commerce des souvenirs numérisés. Ils appellent cette technologie le Sensen. Et le monde entier y est accro. Tu suis? Oui. Tu étais une chasseuse de souvenirs, Nilin, la meilleure. Les autres chasseurs pillent les souvenirs. Toi, tu les remixes. Et surtout, tu es une erroriste, comme moi. Pourquoi ils m'ont fait ça? Tu étais une révolutionnaire. Mon meilleur agent. Nous nous battions pour qu'aucune société ne monopolise les mémoires. Mais j'ai échoué. Nous avons été arrêtés et emprisonnés. C'est vraiment très intéressant, mais j'aimerais vraiment sortir de ce cercueil. Maintenant! Les courants vont t'emporter jusqu'au slum 404. Une fois débarqué, je t'expliquerai mon plan. Et pourquoi pas, ami? Je suis pas de la tribu, c'est ça? Je ne peux pas me battre avec vous. Tu dois le faire, Nilin. Ces gars te tueront. Utilise tes pressènes. Des êtres misérables qui vivent reclus dans les bas-fonds de Néo-Paris. Misérables? J'aurais plutôt dit monstrueux. Ce sont les enfants non désirés de l'âge du Sensen. Des humains comme toi et moi. Un écho honteux que nous préférons craindre. Une excellente justification du combat erroriste. Qui est là?
Tu dois sortir d'ici et retrouver Tommy la migraine. Je l'ai prévenu de ton retour. Qui ? Il tient un bar en haut du slum 404. Commence par grimper hors de cette décharge. D'autres instructions suivront. Une chose est sûre, le nombre d'héroïstes en Égypte a doublé. C'est Maggie qui le dit. Scandale à la Bastille. L'administration va avoir la fuite. Comment la nuit publique numéro 1 a-t-elle réussi à déjouer la paix? Le fondateur du monde avait promis la fin de notre civilisation. Edge, c'est qui ce Tommy ? Tommy était ton meilleur ami. Un ex-chasseur de souvenirs resté fidèle à notre cause. Son bar est une carcasse de cargo située au-dessus des écluses du Slum 404. Le Leaking Brain. Tu peux pas le rater. Restauration en continu au Leaking Brain. Aujourd'hui, gâteau de crabe croustillant à la Tommy et crevettes de vase sauce slum. Voyage de la redoutable chasseuse de primes a sans doute tout à voir avec l'évasion de Nilim. Souvenez-vous, cher croustimateur. Là ! Pas d'instruction ! Où sont les gens ? Il doit y avoir quelqu'un ici. Oh!
Jenny, cours! Cours! Punir! Surveillance! Punir! Donne-moi ta face! Ta face! J'ai perdu la face! Somme dans la boîte! Mauvais enfant! J'ai menti! Les mouches me mangent! T'es trompé de fille. Douleur ! Douleur ! Frère ! Carnage ! Alors, les Leapers s'en prennent aux citoyens? Les Leapers étaient des citoyens. C'est bon. Je te crois. Allez, bouge de là. Tommy t'attend au Leaking Brain. Traverse le marché flottant jusqu'à cet entrepôt. C'est un raccourci pour arriver au bar de Tommy. Je ne crois pas que ce soit la boutique que vous cherchez. Je ne peux plus rien, mec. Du coup, je ne suis pas sûr si c'est... Je ne veux pas que je me trompe.
que la politesse ne fait plus recette. Joli, mais je suis occupé. Tu t'es coiffé avec un pétard ? Je ne suis pas intéressé. Mais laisse tomber. T'arrêtes pas de râler à chaque fois qu'on se voit. Tu dois t'estimer heureux d'avoir du boulot. Vous savez que j'ai eu la chance d'avoir un emploi, mais c'est fou. Des vacances, non? Oh, oui, des vacances. Une autre fois, peut-être. C'est quoi cette chose ? C'est bon signe, ça, Frangine. Avec le temps, d'autres souvenirs te reviendront sûrement. Tu y es presque. Suis les drones volants de Tommy jusqu'au bar. Super le raccourci Edge. Ok. Pas de retour possible.
Et enfin, le Leaking Brain. Ferme-la, Bob! Bob, un peu criard comme tenue. Vraiment, je te tire mon chapeau, mais tu sais... Joli, mais pas mon style. Ouvre le cœur, jeune fille mémorieuse de merde. Stupide junkie mémoriel. Bob, va chialer ailleurs. Je n'y veux mon cœur. Johnny veut mon cœur pour Noël. Tu le sais, hein, toi, Tommy. T'es en sécurité ici, Bob. T'inquiète. Ça alors ? Hé, déjà réussi ! Dans mes bras, ma belle ! Nilin, ça fait un bail. Je suis désolée. Je n'ai aucun souvenir de toi. C'est à ce point ? Tu en mets vraiment plus ma gueule d'ange ? Désolée. Ouais. On a tous perdu des morceaux dans cette guerre. Mais t'es libre maintenant. C'est tout ce qui compte. Libre ? Non, perdu. Une chose à la fois, Frangine. Il est temps de soigner ton look. Ce gant là-bas, c'est le tien. Je l'ai récupéré dans ta planque, avec tes fringues de combat. Coup de bol qui t'est arrêté un jour de relâche. Ce modèle, c'est du 100% Nilin. Rien à voir avec celui que j'utilisais avant. Le top du top, Frangine. T'es la seule à le maîtriser. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Disons que, à la Bastille, contrairement à toi, j'ai pas réussi à écourter mon séjour. Bon, je laisse te changer. Ta tenue de combat est dans le casier. Johnny ! Le gros avantage des indigènes, c'est leur mémoire de poisson rouge. Il n'y a aucun risque qu'ils te balancent à Olga Sedova. La chasseuse de primes, elle est dangereuse ? Implacable. Cette vipère va retourner tout le slum pour le coffret. Pas pour la coffrer, non. Typique d'une fouille cervelle. À peine dehors et déjà au turbin. Nilin ? Toi, David.
pour toi, David. Cette transfusion mémorielle a de bonnes chances de guérir votre mari, Madame Sedova. Les réinjections de souvenirs heureux et partagés ont un impact très positif sur les patients. Son syndrome est un cas classique. Excès de suppression mémorielle, dépendance aiguë aux souvenirs extérieurs. Risque aggravé de dérive identitaire. Bref, l'inévitable effritement d'une personnalité trop fragmentée. Voilà. Ces endorphines vont faciliter le processus et favoriser sa réceptivité à votre transfusion. Accroche-toi, David. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de toi. Transfusion mémorielle terminée. Ne vous inquiétez pas. Le Nymphéa est le meilleur hôpital pour le traitement des dommages mémoriels. Rentrez chez vous, Madame Sedova. Tout se passera bien. Oui, vous avez raison. Bien, les premiers résultats sont encourageants. Il faudra prévoir d'autres séances. Beaucoup d'autres séances. C'est un procédé très coûteux. Continuez, Docteur Quaid. Je peux payer son traitement. N'inquiétez pas, le Nymphéa est le meilleur hôpital pour le traitement des dommages mémoriels. Rentrez chez vous, Madame Sedova. Tout se passera bien. Oui, vous avez raison. Bien, les premiers résultats sont encourageants. Il faudra prévoir d'autres séances. Beaucoup d'autres séances. C'est un procédé très coûteux. Continuez, Docteur Quaid. Je peux payer son traitement. Cette transfusion a de chance pour votre mari, Madame Sedova. L'érection de souvenirs heureux et partagés ont un impact très positif sur les patients. Syndrome est un cas classique. Et des décisions courrielles et des danses du venir. Risque aggravé de dérive identitaire. Bref, l'inévitable effritement d'une personnalité trop fragmentée d'une personne. Trop fragmentée. Voilà. Ces endorphines vont faciliter le processus. Et favorise sa réceptivité à votre transfusion. Il tachycarde, très inhabituel. Docteur, c'est pas normal. Son esprit surréagit, c'est tout. Rien de méchant.
Tâchez de vous concentrer sur des souvenirs apaisants. Accroche-toi, David. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de toi. Enfant des nuées, pourquoi rampes-tu ? Quoi ? Les mouches me mangent. Les manques me mouchent. Non, je suis pas là pour te coffrer. Tu veux toujours brûler Memorize ? Oui. Alors nous avons un ennemi commun. Quel retournement ! Enfin, je veux dire, quelle bonne surprise ! Pour tous ! Je suis sûre qu'Olga a ses raisons. Une seule raison suffit. La grande Olga Sedova rejoignant la révolution héroriste. C'est moi ou il y a de l'amour dans l'air ? La dernière fois que je t'ai arrêté, t'étais plus jeune et plus résistant. T'es plus sur ma liste. Ça veut pas dire qu'on va traquer ensemble. Ok, Olga. On n'ira pas en vacances ensemble, ça me va. Mais Nilin est attendue dans les beaux quartiers. Et la route est surveillée. T'aurais pas une idée ? Non, j'ai mieux que des idées. Ça, c'est ma Nilin. Et ses tours de magie. Personne d'autre ne sait faire tourner les têtes comme toi. D'abord, tu me cognes ? Après, tu ruines mon petit commerce ? Ça commence à ressembler à de l'amour vache. Peu importe, on perd du temps. Merci, Tommy. Vraiment. T'as pas perdu la main, ma belle. Edge a eu raison de miser sur toi. Comme nous tous, d'ailleurs ! Malgré le brouillard de mon amnésie, les risques pris par Tommy et Edge pour me libérer m'ont bouleversé. Ils comptent sur moi pour punir les privilégiés de Neo Paris. Edge parle d'une opération clandestine à mener au cœur de la conforteresse Saint-Michel. D'un réveil brutal de ce quartier hautement sécurisé, pour en faire le terrain propice à une révolution. Pourquoi pas ? Plus qu'à la justesse de son combat, c'est à son amitié que se raccrochent mes pensées à la dérive. Pourquoi nos ennemis ont-ils effacé ma mémoire ? Suis-je si dangereuse ? Dans ma poitrine, dans ma gorge, jusqu'au bout de mes doigts, je sens palpiter ce pouvoir unique qui les effraie. Qui m'effraie aussi. Avoir le pouvoir de pénétrer les souvenirs d'autrui, pour les modeler à ma guise. Pour réécrire le passé. C'est comme être Dieu. Saisi par le vertige, de cette révélation, je n'ai qu'une certitude. Si ce pouvoir a fait partie de moi, je dois retrouver ce qui m'a été arraché. Je dois réapprendre mon don.
Listen to the Game est un podcast produit par Podcut. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts du label sur podcut.studio. Et si vous avez l'âme et le porte-monnaie d'un mécène, un Patreon est aussi là pour les soutenir. Vous pouvez aussi retrouver le podcast sur Twitter, @lttgpodcast, ou sur Facebook. Je rappelle qu'une présentation globale du concept est disponible en épisode 0. Merci de votre écoute et à très vite. Hey!